beaucoup ici, peut-être encore plus qu'ailleurs. Une finale est avant tout un jour de fête. Elles étaient 14 équipes en début de tournoi. Des matchs épiques, des buts mémorables, des ambiances très africaines, dans des stades très colorés. Bref, tout ça nous a conduit à ces deux nations aujourd'hui, dans cette ultime rencontre. Deux équipes et des millions de fans devant leur télévision, à n'en pas douter. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. On écoute maintenant l'hymne national de l'Algérie. En tête, inscrire leur nom au palmarès de cette compétition. C'est exactement ce que j'allais vous dire, mon cher Grégoire. La route a été longue pour arriver jusqu'ici et tout n'a pas forcément été simple. Mais désormais, ces deux équipes sont aux portes du succès, aux portes du bonheur, et elles vont tout donner. Les deux équipes risquent d'être un peu prudentes à l'entame. C'est une finale quand même. Il passe sur l'aile droite. La passe en retrait vers son défenseur. Mahrez. Il progresse encore. Un ballon devant la cage. Ce sera le premier corner du match. C'est repoussé. Il réoriente le jeu vers l'arrière. Attal. Brahimi. Alish en retrait pour repartir proprement. Brahimi. Mandi. Alish. Attal. Il choisit de centrer. Le dégagement. C'est une remise en jeu. Le centre qui ne trouve personne. Mazraoui. El Amadi. Ça manque un peu d'initiative, de prise de risque dans ce début de match. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. C'était une bonne intervention. Et voilà une nouvelle touche pour eux. Et la remise en jeu est interceptée. Benatia, il décide d'allonger le jeu. La passe est précise. Long ballon dans le sens du jeu. L'Algérie qui peut avancer. Allez. Mandi. Attention.
position là. Ça peut être extrêmement dangereux. Le bon dribble. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Bon service dans la profondeur. Voilà une bonne occasion de contre. Il est passé. C'est marqué. Attention la frappe. Le gros dégagement. L'Algérie qui essaye de construire. Mahrez qui écarte le jeu. Un centre dans la surface. Hakimi. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Boussoufa. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Mazraoui. C'est joué dans l'espace. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Il ne se pose pas de questions. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Mazraoui. C'est allongé. Bonne lecture de la trajectoire. Brahimi. Et ils essaient de repartir de derrière. Une très longue passe. C'est bien fait ça. Et la porte s'est refermée. Ça peut partir en contre. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Il y a peut-être un coup à jouer. Avec Mahrez. Le bon dribble. Attention à ce centre. C'était bien vu, dommage. Ça joue long vers l'avant. Quelle fait du bien cette interception. Mahrez. Il est passé. Il met le ballon dans la surface. Il met la tête. Alors, il n'a pas complètement réussi son demande, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Il y a peut-être un coup à jouer. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche de la pause. Attal. Il accélère et il déborde. Le bon dribble. Centre. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Benatia. Il joue long pour filer droit au but. Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Quel timing dans l'interception. Il y va tout seul. Il a l'espace là. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Attal. Brahimi. Elle continue sa course. Et le centre bien placé. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Bien servi. Trahi. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Bon,
c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Qu'avez-vous pensé de Cameroun? Ces équipes ne s'est vraiment imposé jusqu'ici, mais ça arrive souvent dans ces grands rendez-vous. C'est normal. Au moins comme ça, à la mi-temps, les entraîneurs vont pouvoir rectifier le tir. Espérant en tout cas que ça porte ses fruits. Pas de but, 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Oh, le bon ballon! Un contact qui n'était pas régulier, Coucheron. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Ça fait 1-0. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. Attal. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Le centre est tendu. Ouf, un peu d'air. L'Algérie, il récupère ce ballon. Ziyech. Va-t-il en profiter? Le ballon dans la profondeur. Un pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Bonne lecture du gardien. C'est reparti, ils peuvent contrer. Rami qui est un peu seul. Ça va sur l'aile. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Fall. Aïd Benacer. C'est joué long. Ça ne passe pas. Il sort très bien. Le long dégagement du gardien. Voici Feghouli. Ce contre peut très bien aller au bout. Il est passé. Il a centré. Le coup de tête. Encore une chance. Jusqu'au bout. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Je reprends sur un score de parité. Ah, c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué. Attention messieurs, il faut rester concentré. La passe dans la profondeur. Dans la surface. La frappe. La passe était parfaite. Dommage.
Ça démontre toute l'efficacité de ses ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Alioui ! Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Feghouli. Brahimi. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Attention au centre. La bonne interception. Il joue en retrait. Brahimi, qui choisit le côté gauche. Ce ballon dans la boîte. Le Maroc qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. C'est centré dans l'axe jusqu'au bout. Avec un petit but d'avance. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Attal. Il passe en retrait au gardien. Mandy. Mahrez. L'Algérie qui procède à un changement dans cette rencontre. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Alioui ! Il résiste bien et il continue son one-man show. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si ? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. L'Algérie qui procède à un autre changement. Il allonge vers l'avant. Ça, c'est une interception parfaite. Peut-être une occasion pour Alioui. Soudani. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis, ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match. Il y a peut-être un coup à jouer, Petia. On aurait pu sceller le résultat. C'est grâce au gardien que son équipe est tue. Changement s'enchaîne, on dirait bien. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. C'est dégagé loin. Aliche. Et le raid côté droit, il a du soutien. Il enroule ce ballon dans la surface. J'ai repoussé pour le moment.
La défense est en... Attention là. Allez, c'est dangereux. Il n'arrive malheureusement pas à mettre au fond. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il... Le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Il revient dans l'axe. Bonne intervention. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le... Oh, c'est chaud. C'est reparti et il y a maintenant 2 buts d'écart. Il cherche son coéquipier. Soudani. Attal. Brahimi. Autour du gardien de jouer. Alish. Brahimi. Voici Benzia. C'est joué dans la profondeur. Benatia qui récupère ce ballon. C'est repoussé. Oh, le cadeau! Le bon dribble. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. On aura droit à 4 minutes de jeu supplémentaire. Un long ballon vers l'avant. Ce long ballon ne donnera rien. Mazraoui. Mazraoui qui cherche la profondeur. Ziyech. El Hamadi. Il tente de la jouer dans l'espace. Voici Boufal. Il est passé. Avec Ziyech, il s'impose physiquement dans ce duel. Mais il va être sanctionné. Directement dans le mur. Amrabat, bien servi sur le côté. Ce sera un centre. Le bon jaillissement. J'ai terminé. Et que le soutien du public fut décisif dans cette victoire importante. Comment un tel retournement de situation est-il possible? J'aimerais bien avoir votre sentiment. En tout cas, je me suis régalé. Il y a eu plus de hauts et de bas et de virages inattendus que sur les montagnes russes.